au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu, l'exhortation. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 1 jusqu'à 5. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous commençons déjà nos réunions de prière. Nous prions aujourd'hui. Nous sautons et puis le vendredi nous viendrons pour veiller. Genèse 17, depuis le verset 1. Genèse chapitre 1. Nous lirons jusqu'au verset 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Que Dieu bénisse sa parole. Cet après-midi, à l'occasion de cet après-midi de prière, je vais parler sur El Shaddai. Nous avons souvent entendu, on parle de Dieu comme El Shaddai. Peut-être aussi nous avons lu cette prédication-là. Mais dans cette petite exhortation, soyez vraiment attentifs et comprenez pourquoi Dieu est appelé El Shaddai. Et c'est ce que nous voulons, c'est sur ça que nous voulons graviter avec notre exhortation. Depuis le début de cette année, nous parlons toujours tout autour d'Abraham. Et frère Bano a prêché un message, le patriarche Abraham. Il est patriarche par rapport à la foi. Et c'était un homme particulier, exemplaire que Dieu avait approuvé. Dans les textes que nous venons de lire ici, on dit lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est presque 100 ans. C'est presque 100 ans. Donc un siècle. Nous savons que Dieu s'est révélé à Abraham et il lui avait fait la promesse depuis Genèse chapitre 12. Comme j'aime toujours que nous lisons la Bible pour que nous connaissions les Écritures, parce que c'est là que se trouvent des promesses sur lesquelles nous devons nous baser. Nous reprenons Genèse chapitre 12. Je vais parler doucement pour que nous puissions bien comprendre. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays,
de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Et nous gagnons du temps. Et nous avoir un peu du temps pour la prière. Et Dieu avait dit à Abraham de sortir comme nous venons de lire ici. Mais à quel âge Dieu avait-il dit à Abraham de sortir? Reprenons depuis le verset premier. De Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Remarquez bien ceci. À l'âge de 70 à 75 ans, parce qu'on dit ici au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. À quel âge Dieu s'était-il révélé à Abraham et pour lui faire cette promesse? Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Écoutez maintenant, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. C'est à l'âge de 75 ans qu'Abraham est sorti de Charan. C'est à cet âge-là que Dieu est venu lui dire qu'il est venu lui donner la promesse, suivez-moi bien. Notez bien que nous voulons parler sur El Shaddai, une exhortation sur El Shaddai. Mais si nous suivons attentivement, c'est la paix nous stimuler. Nous sommes venus pour la prière. Il faut que nous recevions quelque chose qui va nous orienter dans la prière. Alors, nous revenons toujours notre patriarche dans la foi. Abraham, âgé de 75 ans, comment, dans quel état sa femme était, Sarah? Sarah était dans quel état? Révélons dans Genèse 11, verset 31. Écoutez. Terak prit Abraham, son fils, verset 31, et l'autre fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. Non, il y a un endroit où que Sarah. Ah, non, verset 30. Sarai était stérile. Verset 30. Elle n'avait point d'enfant. Remarquez, dans cette position-là, Abraham, âgé de 75 ans, Sarai, qui était stérile, depuis leur jeune âge, jusqu'à cet âge-là, Dieu vient lui dire qu'il va lui donner cette portion de terre. Et toutes les choses devaient être bénies sur Abraham. Ça, je voulais seulement que nous rentrons pour que nous voyons ce qui s'est passé. 75 ans. Comme nous avons lu ici, Abraham a continué à vivre avec sa femme Sarah, attendant cette promesse. Maintenant, revenons dans Genèse 17. Là. Arrivé dans Genèse 17, Abraham arrive déjà presque à 100 ans. Verset 1er.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Remarquez que depuis 75 ans, que Dieu a fait la promesse à Abraham, ici maintenant, 24 ans après, Abraham a dû attendre pendant 24 ans. Quand Dieu lui apparaît, il vient encore lui fortifier, lui parler encore de renforcer la promesse. Mais comment s'était-il présenté? C'est ici que je voudrais que attirer votre attention. Abraham a attendu depuis 75 ans, qu'il a l'âge de 75 ans. Il commençait déjà à se fatiguer dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Il a attendu jusqu'à 24 ans. Voyez, Dieu vient se révéler à lui. Remarquez comment Dieu est venu se révéler à lui en tant que qui? Ici, 24 ans après, Abraham fatigué de l'âge, il tend déjà à une année maintenant, un siècle. Dieu vient lui apparaître. Il lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ces mots ici, le Dieu Tout-Puissant, c'est là que, en hébreu, parce qu'on a traduit en français, mais en hébreu c'est El Shaddai. Il y en a écouté le commentaire du prophète. Dans El Shaddai, du 16 avril 1959, je lirai paragraphe 39 et 40. Bon, après qu'Abraham avait eu 99 ans, Dieu lui apparaît encore. Quand il lui apparaît cette fois-là, il lui apparaît sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Il dit, le mot hébreu à cet endroit-là, c'est écrit Tout-Puissant. C'est El Shaddai. El Shaddai. Donc Dieu est venu se présenter à Abraham comme El Shaddai. Pourquoi Dieu est venu se révéler à Abraham sous le nom de El Shaddai? Il a vu qu'Abraham depuis 75 ans, il avait fait la promesse. Abraham a attendu. Il commençait déjà à s'amortir dans l'âge. Maintenant, il vient se révéler à lui à 99 ans. Sous le nom de El Shaddai. Pourquoi? Le prophète parle. Le mot hébreu à cet endroit, c'est El Shaddai. Ce qui signifie le Dieu Tout-Puissant. Il dit El. Il n'y a pas d'écrit ici. J'aimerais que vous remarquiez un peu. J'écris comme ça. Le nom est comme ça. Dieu fonda nos coups. Dina, Dieu nous chindoye. Donc El Shaddai. S H A D D A I. El Shaddai. Kudi et kudi le. Ça va. On a vu. Bah, on a pourquoi
Dieu est venu se révéler à Abraham à 60 et plutôt à 99 ans sous le nom d'El Shaddai. Parce que notez que ce mot ici, je suis le Dieu Tout-Puissant. Très bien, on dit que le mot hébreu là-bas en hébreu c'est El Shaddai. Il dit El signifie Dieu. C'est lui qui est fort. Celui qui est fort. Dieu, le donateur de la vie. Nzambi mufidi wa moyo. C'est ça le L là-bas. Ki elo onaka. Mena Shad. Pingeo Shad. La partie là. Donc Shad. Chituha chi Shad. Donc comme ça. Nungwemu. Donc Shad ici, quand vous coupez. Muni Shad. Signifie saint. Signifie saint. Ujumvujeni wa chijila. Mais quand on ajoute deux AI. Quand on ajoute les deux AI, ça devient maintenant au pluriel. Shad signifie saint. Il dit comme la femme. Mais Shaddai maintenant c'est en au pluriel. Cela veut dire que deux saints. Posons-nous la question. Pourquoi Dieu, 24 ans après, d'abord à 75 ans, il vient faire la promesse à Abraham. Abraham, je rendrai donc, je multiplierai, toutes les nations seront bénies en toi. Tu auras un fils. Abraham a attendu. 24 ans après, il atteint déjà l'âge de 99 ans. Dieu vient lui apparaître. Il se présente devant lui. Je suis El Shaddai. Abraham a compris ce mot-là, El Shaddai en hébreu. Signifie saint. Shaddai signifie qui a des saints au pluriel. Ainsi Dieu apparaît à Abraham sous le nom de Dieu. C'est lui qui est fort et qui porte des saints. Comment on dit que quelle glorieuse chose qu'il soit apparu à un vieil homme de 100 ans. Dont le corps était déjà usé. Après lui avoir promis qu'il aurait un bébé de sa femme Sarah, qui elle avait 90 ans. Il dit pensez-y. Eh bien quelle promesse. C'est comme Dieu disait Abraham, tu es avancé en âge. Ta force s'en est allée. Et pendant 25 dernières années, tu m'as fait encore confiance. Mais maintenant j'aimerais te dire ce qu'est mon nom. Je m'appelle celui qui a des seins. Celui qui est fort. Je suis le Dieu porteur des seins. Maintenant, frère Branham a pris le cas des bébés à côté de sa maman. Il dit maintenant, observez. Ce n'est pas le Dieu qui a un saint, mais le Dieu qui a des saints. Il a pris l'exemple d'un bébé, d'un enfant. Un petit enfant. Nos soeurs qui allaitent des bébés. Des soeurs qui allaitent des bébés. Voyez, un bébé peut tomber. Ou peut-être par maladroiture il est tombé. Il va commencer à pleurer. Ou le bébé est tellement épuisé. Sa maman était sortie partie au marché. L'enfant a pleuré. L'enfant cherchait du lait. Maman ne venait toujours pas. Finalement, peut-être 3 heures après, la maman vient. L'enfant est déjà fatigué. Mais quand la maman
prend l'enfant met sur son sein. Et quand l'enfant commence à téter, la force commence à lui revenir. Pourquoi Dieu est venu dans cette forme-là ou dans sous cette étiquette-là pour se révéler à Abraham? Il était venu le fortifier dans la foi. Abraham était dans l'attente. J'ai aimé que nous lisons les prophètes. Écoutons comment les prophètes commentent ça. Je voulais seulement faire cette petite exhortation. Remarquez très bien, frère ou mes soeurs. Je crois que depuis le début de cette année, si vous remarquez bien, l'Esprit nous fait se tournoyer tout autour d'Abraham. Même depuis la fin de l'année passée. Remarquez bien, nous avons montré l'année passée vers sa fin dans Hébreux chapitre 11 verset 6 que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons observé la vie d'Abraham, comment Abraham a eu beaucoup de patience pour attendre. Mais Dieu avait vu qu'à 99 ans, Abraham tendait à l'épuisement. Il avait tellement attendu 24 ans, rien ne s'opérait. Dieu est venu se révéler à lui que je suis El Shaddai, viens t'aider, viens retrouver encore la force pour renouveler encore la force, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu t'épuisais déjà dans l'espérance parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et la foi est basée toujours sur des promesses. Vous pouvez avoir la foi, mais si cette foi n'est pas basée sur la promesse, ça ne peut pas agir. Il faut que votre foi se base sur la promesse. Une fois, nous avons lui citer des promesses ici pour que notre foi s'ancre sur ces promesses. Nous avons bien montré la fois passée, un chrétien ou une chrétienne ne prie pas en l'air comme ça. Quand vous partez à la chasse et que vous avez remarqué l'animal, vous n'allez pas seulement commencer à tirer comme ça, tum 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 tum. Tu vois l'animal là-bas, tu fais seulement POUM, ça peut rater. Mais tu vas prendre la bonne position dans les jumelles. Peut-être vous arrêtez la respiration, vous visez, vous fermez l'autre œil, vous surveillez bien, alors vous appuyez sur la gâchette et la balle est partie. Vous voulez que la balle atteigne vraiment l'objectif. Et c'est comme ça que nous venons dans la prière, comme à partir d'aujourd'hui. Donc il faut savoir brancher vraiment votre requête sur une promesse biblique. Mais il est possible que vous avez déjà une promesse sur laquelle vous êtes ancré et que vous priez, vous êtes en train d'attendre l'accomplissement de la promesse. Vous avez lu la promesse de Dieu et vous lui avez demandé aussi quelque chose, mais ça prend du temps. Au point qu'il vous arrive même, vous êtes arrivé même à vous décourager. Que j'avais parlé avec foi quand
un jour on nous a exhortés, j'avais présenté cette requête à Dieu. J'ai senti vraiment une conviction en moi que la prière était partie. Mais j'ai tellement attendu, que ça n'arrive toujours pas. Peut-être vous êtes comme dans l'état d'Abraham. Vous avez commencé peut-être à vous décourager. Mais aujourd'hui, le même Dieu qui s'est révélé à Abraham comme El Shaddai, il va se révéler à toi aussi comme El Shaddai. Mais écoutez le prophète, parce que j'aimerais que vous ne voyez pas que c'est moi qui parle. Je prends Jéhovah Jireh, deuxième partie là, les 64, depuis le paragraphe 165. Alors écoutons un peu le prophète. C'est comme si nous méditons encore ce soir. Écoutez, Frère Branham est en train de il a pris la prédication de El Shaddai que je vous ai lu là-bas. Dieu a vu Abraham qui s'épuisait déjà, Je vous lirai, Frère Branham. Il a dit que pour Dieu, le temps que quand pour Dieu un jour, 1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour lui. Nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Pour nous, une semaine après, que je lui ai demandé quelque chose, quand cela n'arrive pas, je vois que Dieu a beaucoup traîné. Or, une semaine pour Dieu, c'est rien. Une semaine pour Dieu, c'est rien. C'est pourquoi 25 ans pour Dieu, c'était rien. Il a promis à Abraham que je ferai de toi une nation. Selon nous les hommes, 10 ans, c'est déjà beaucoup. 20 ans, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais pour Dieu, quand déjà un jour, 1000 ans pour lui, c'est un jour. 1000 ans pour nous, c'est un jour pour lui. Alors c'est là que le prophète veut nous amener à quelque chose. Nous sommes aussi la semence d'Abraham. Aujourd'hui, je voulais que vous remarquiez que aujourd'hui Dieu veut se révéler à toi comme El Shaddai. Et que tu saches, quand il appelle El Shaddai, pourquoi il appelle El Shaddai? Remarquez qu'à 99 ans, Abraham a morti complètement dans l'âge. Abraham a une année, c'est 100 ans, un siècle. Peut-être qu'il devait être courbé déjà. Et sa femme aussi avançait en âge. Mais Dieu vient à lui. Relisons encore Genèse là, chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, comme nous voulons gagner du temps pour la prière. Maintenant, Frère Branham est tenté de commenter. Quand Dieu est venu se révéler à Abraham, je ne fais que répéter ça pour que nous puissions très bien comprendre ça. Il vient se révéler comme un Dieu tout puissant qui a des saints. En quelque sorte, Abraham, tu es déjà avancé en âge, tu as maintenant 99 ans, tu as tellement attendu la promesse que je t'avais donnée, tu risques de te décourager. Maintenant je viens à toi comme El Shaddai, le tout puissant qui a des saints. Viens t'appuyer sur ma poitrine.
pour chisser encore, afin que tu reçois encore de la force de persévérer, de continuer à persévérer pour que ta foi se renouvelle encore, parce que je tiens toujours ma parole. Alors frère Branham dit, comme un bébé, un petit bébé, lorsqu'il est malade, agité, faible, il s'appuie sur les seins de sa mère et il refait ses forces en se nourrissant au sein du sein de sa mère. Autrement dit, Abraham, pour moi tu n'es qu'un bébé âgé de 99 ans, et cet espace de temps n'est rien pour moi. 24 ans que tu trouves ici, viens Abraham, je te fais la promesse, je veux que tu commences à te fatiguer, viens tété pour te fortifier, pour renouveler encore la force. Frère Branham dit, et remarqué par Galates 5:67, je suis El Shaddai, tu es le petit bébé faible, mais appuie-toi sur ma poitrine, sur ma promesse, et nourris-toi en puissant à moi ta force. J'aimerais que nous méditions un peu très bien là-dessus. Il est vrai que vous avez demandé à Dieu certaines choses. Vous vous attendiez à l'accomplissement de cette promesse. Mais peut-être, tellement que tu as attendu, ça a pris des jours. Nous voulons aller aujourd'hui dans l'essence de la requête. Je t'avais présenté telle chose. J'ai tellement attendu. Peut-être parmi nous ici, certaines ou certains parmi nous ont commencé déjà à relâcher. Mais moi je sais, comme le prophète le confirme ici, tout fils de Dieu, toute fille de Dieu, sait qu'il lui est arrivé dans sa vie que la chose qu'il avait demandé, il s'est passé même beaucoup de temps. Peut-être qu'il ne s'attendait même plus. Et paf, la chose arrive. Qui ont déjà expérimenté des choses comme ça? La chose arrive. Vous ne vous attendiez pas. Dieu vous a fait goûter déjà ça. Nous revenons un peu dans ce que le prophète disait ici. Dieu dit à Abraham, je suis El Shaddai. Tu es le petit bébé, mais appuie-toi sur ma poitrine, sur ma promesse, et nourris-toi en puisant en moi ta force. Je suis le créateur qui a déployé les cieux et la terre, qui a placé les étoiles là-bas. Y a-t-il quelque chose de trop grand pour Dieu? Je suis El Shaddai. Tu es mon enfant. Prenez ça comme Dieu s'adressant à toi. Je prends la position d'Abraham. Toi, tu prends la position d'Abraham. Tu avais lu une promesse sur laquelle tu t'étais basé. Comme je montrerai une promesse ici. Tu as eu lu, tu avais une promesse. Un jour, quand nous sommes retrouvés ici, quand nous parlions des promesses, tu t'es accroché à quelque chose que nous avons lu ici. Et tu avais profité de lui présenter la requête que tu avais. Peut-être seulement au début de cette année. Ce jour-là, l'exhortation a touché ton cœur. Et tu lui as parlé. Tu as parlé comme jamais tu n'as parlé avant. Tu t'es certainement, mais tu as senti même la joie dans ton cœur. Et l'assurance pour l'onction de ce jour-là. Que ta requête était partie. Mais peut-être jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de suite. Et tu as commencé peut-être à faiblir. C'est pourquoi aujourd'hui, le même Seigneur Jésus-Christ
Voyez qui s'est révélé à Abraham. Dans Genèse chapitre 15, chapitre 12, quand il est venu faire la promesse à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham a cru. Quand Dieu lui avait promis, il était dans la joie. Oh, j'aurai un enfant. Oh, ma femme ici mettra au monde. Il a attendu. Il a attendu. Il a attendu. Il a attendu. 24 ans après, déjà à l'âge de 99 ans, alors que Dieu vient se révéler à lui, mais quand Dieu vient se révéler à lui, il vient comme El Shaddai, il a des saints. Il a appelé Abraham, viens. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as commencé à te décourager. Je sais que tu commences à t'affaiblir. Mais viens t'appuyer sur moi. Je suis comme un Dieu qui a des seins. Sucez encore. Et quand Abraham a sucé, la force est revenue. Et finalement, il a eu cet enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu se révèle à toi, ma soeur. Dieu se révèle à toi, mon frère. Tu es aussi la semence d'Abraham. Comme El Shaddai. Il a vu comment tu as commencé déjà à faiblir. Dans l'espérance là. Maintenant, prenez frère Branham comme la façon qui passe, comme Dieu qui s'adresse à toi. Y a-t-il quelque chose de trop grand pour Dieu? Il te dit ce soir, je suis El Shaddai. Et tu es mon enfant. Bien que tu sois faible, je te laisse te retrouver dans cet état juste pour voir comment tu réagiras. Dieu t'a laissé dans cet état. Ça, c'est le prophète qui parle. Je t'ai laissé te retrouver dans cet état juste pour voir comment tu réagiras. Tu sais qu'il y a des choses que tu as demandé qu'il a répondu rapidement. Tu connais ça. Mais tel point là, pourquoi pour ce point ça ne vient pas toujours? Mais ce soir, il vient à toi comme El Shaddai. Il va te fortifier comme El Shaddai. Peu importe ce qu'il faut. Non. Je veux présenter. Il fait comme s'il disait Dieu qui parlait avec Abraham. Je veux présenter un exemple pour les gens qui viendront après toi, Abraham. Afin que les gens croient ma parole. Je m'en tiendrai à celle-ci. Peu importe ce qu'il faut. Le temps qu'il faut. Les temps. Traduisez ça, c'est comme ça. Je le ferai. Je maintiendrai à celle-ci donc cette promesse. Frère Bandi, oh, vous direz. Si je pouvais croire. Il est encore El Shaddai. Il est encore El Shaddai. El Shaddai. Ce n'est pas seulement du temps d'Abraham. Il est encore El Shaddai. El Shaddai. C'est que quand il vous arrive, que pour une promesse, pour une requête, que Dieu a toujours présenté à Dieu, alors que le jour que tu lui avais parlé, je ne parle pas à ceux qui ont parlé seulement. Qui parle seulement en l'air comme ça. Toi tu connais. Il est arrivé un jour à partir d'une prédication ou un tissu. Peut-être au début de cette année, quand on a brandi vraiment des promesses. Et ce jour-là, tu es venu même à l'hôtel. Tu étais couvert de sueur. Tu avais parlé à Dieu ce jour-là. Et tu as senti que la parole, la prière est partie. Et vous avez senti vraiment que c'était
exaucé. Et vous êtes sorti avec joie, attendant et observant voir. Vous êtes comme Abraham. Dans Genèse 12, quand Dieu est venu lui parler, Abraham était joyeux. Mais tellement qu'il a attendu, il a attendu. L'enfant ne venait toujours pas. Mais Dieu regardait. Très bien, je vous ai fait Balaam ici. 24 ans pour Dieu, c'est rien. 24 ans pour Dieu, c'est rien. C'est comme un père, l'enfant lui demande quelque chose. Je vais te donner. Tu sais que tu vas lui donner. Mais l'enfant pressé qu'il est. Vous connaissez nos enfants. Vous voyez, l'enfant commence à jouer tout autour de toi. 10 minutes, papa, mais tu m'avais promis. J'ai dit que je te donnerai, je sais. Ce n'est pas encore tard, on n'est pas encore même arrivé le soir. Toi, tu sais que tu vas lui donner. Parce que tu as ça. Mais l'enfant est trop pressé. Papa. Mais je te dis que je vais te donner. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu est avec nous. Nous comptons les jours. Nous comptons les semaines. Mais pour Dieu, si déjà pour lui un jour, 1000 ans pour nous, c'est un jour pour lui. Quand il a dit que demandez et vous recevrez, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Pour lui, point très. Quand vous avez demandé avec foi, vous aurez ça, il va vous donner. C'est nous qui voyons le nombre de jours. Mais quand il nous comprend que nous nous affaiblissons, peut-être aujourd'hui il y a certaines personnes qui sont déjà épuisées. J'ai demandé ça. Pourquoi pour telle chose Dieu m'a donné telle chose? Mais j'ai continué depuis que je lui ai demandé telle chose. Ce soir il vient à toi comme El Shaddai. Comment sera ta requête? Vous n'allez pas lui demander ce que tu l'avais déjà demandé. Tu viendras lui, tu vas l'invoquer comme El Shaddai. Toi tu es El Shaddai. Tu vois que j'ai commencé déjà à m'épuiser. J'ai commencé à perdre l'espérance. Mais je viens à toi. Je veux sisser à ton sein. Pour que je sois fortifié encore dans la foi. Que ma foi se renouvelle. Il est encore El Shaddai. El Shaddai. Il est encore le Dieu qui a des saints. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Puisez-y donc votre force et tout ce dont vous avez besoin. Le bébé qui est sans défense, il doit tirer sa force de sa mère. C'est le seul moyen pour lui de recevoir sa force. Voilà le seul moyen pour un croyant de recevoir sa force, c'est de la tirer de la parole de Dieu. Voilà sa force. Les promesses que Dieu lui a faites, tenez-vous-y et croyez-le. Jésus ne peut pas mentir. Jésus ne peut pas mentir. Vous avez la promesse. Et rien ne l'arrêtera. Où est-ce que je vais en arriver ici? La prière même que frère a faite ce jour-là, je vous lis un peu ça. Dans El Shaddai, 16:4-59, paragraphe 80. C'est comme c'est la prière que je fais maintenant. Ô Éternel, croyons à la prière des frères Branham maintenant. Ô Éternel,
Créateur des cieux et de la terre. Envoie ton Saint-Esprit sur ce groupe de gens et remplis cet endroit du baptême du Saint-Esprit. Envoie la foi, la puissance, la joie, la paix, la satisfaction. Que les gens viennent à El Shaddai et s'emparent de ses saints et tirent de Dieu la force et la puissance par la prière et que cela entre dans leur âme et leur corps. Comme j'ai dit que je voulais faire une petite exhortation. Aujourd'hui, chacun va invoquer Dieu comme El Shaddai. Vous devez lui rappeler. Voyez par exemple dans Genèse. S'il vous est arrivé un cas, voici ce qu'il avait promis. Parce que Frère Banam a dit, les deux saints là, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous devez cisser aux promesses. Si vous commencez déjà à vous épuiser, je crois que vous suivez cette séquence là qui passe à la radio. Frère, quand vous vous préparez pour la prière, vous devez combattre. Quand vous sentez comme vous n'arrivez pas à vous orienter dans la prière, vous devez forcer à frapper. Parce que nous sentons tout ça. Vous venez pour la prière, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer. Mais vous ne devez pas croiser les bras. Pourquoi je suis venu? Pourquoi j'ai quitté ma maison? Cette nuit je suis venu ici pour faire quoi? Seigneur, vous lisez la Bible, vous recherchez comment vous devez, jusqu'à ce que vous sentirez que maintenant la chose est dans la voie. Mais il faut vous baser, il faut que vous ayez une base, la promesse. Je voudrais seulement rappeler ceci. Parce que remarquez notre père Abraham. Dieu n'est pas venu le fortifier en tant que El Shaddai, seulement comme ça. Mais il lui avait promis. Abraham avait eu la promesse et il attendait cette promesse. Mais tellement qu'il a attendu, il commençait à s'affaiblir. Et Dieu est venu à lui, non pas comme il s'est révélé dans le chapitre 15, non pas comme au chapitre 12, mais au chapitre 17, il vient comme El Shaddai avec des saints. Représentez-vous un bébé qui a tellement pleuré. Sa maman était partie au marché et quand sa maman vient, l'enfant est déjà épuisé. Mais quand il s'accroche au sein, commence à sucer, à sucer, à sucer. On dit que alors l'enfant commence même à rire. Il a retrouvé la force. Donc, aujourd'hui, par la foi, tenez le sein de Dieu. Il vient à toi aujourd'hui comme El Shaddai, celui qui a le sein. J'ai commencé à m'épuiser, j'ai commencé à perdre l'espérance. La foi est partie. Ce jour-là, quand j'avais parlé, Seigneur, renouvelez, remettez-moi dans l'état où j'étais ce jour-là. Ce soir, il veut venir à toi de cette manière. L'onction qui était à toi ce jour-là, quand tu lui avais parlé, demandez-lui ce soir qu'il te remette dans cet état-là. Parce que ce jour-là, quand tu lui parlais, j'avais une pleine conviction que ta prière était partie et lui a entendu ta requête. Mais aujourd'hui, tu ne te retrouves plus. Or, il faut rester dans cet état de foi là. C'est pourquoi ce soir il veut te fortifier. Mais je rappelle, je prends une promesse de l'Ancien Testament comme un saint
Et je prends une autre promesse dans le Nouveau Testament comme un autre saint. Alors pour te rappeler seulement, pour te fortifier afin que tu reviennes à lui, que Seigneur, je me rappelle encore. Remarquez un peu. Je ne sais pas quel problème tu as, mais vous savez que nous chrétiens, des promesses ici, quand nous sommes devant un problème, vous ne parlez pas seulement comme ça. Vous cherchez une promesse sur laquelle vous allez placer votre foi. Vous méditez là-dessus. Et la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, je me retrouverai devant une situation. Je dois me rappeler cette promesse. Frère Banam a prêché ça. Ta semence possédera la porte de l'ennemi. Peut-être qu'il y a une situation, un problème difficile où tu es attaqué, tu es devant un problème sérieux, soit au travail, on veut même t'évacuer, ou la maison, ou quelqu'un te veut du mal. Vous voyez? Mais vous ne saviez pas où vous devez vous baser, parce que la foi qui est en toi, comme Dieu l'a placé en toi, aime trouver un appui. Quand tu n'as pas d'appui, c'est comme du sable mouvant. C'est pourquoi je te donne cette promesse à ceux qui sont peut-être menacés, à ceux qui sont devant une situation où il y a un adversaire, où il y a l'adversité. Mais Dieu ici a dit, c'est vrai qu'il avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 22 depuis le verset 15, je raconte d'abord, quand Abraham voulait sacrifier son fils, moi je ne sais pas, moi cette promesse ici, pour moi ça ne me quitte pas. D'après des expériences vécues, que moi je crois que quand tu es fils de Dieu, quand tu es fils de Dieu, quelquefois il nous arrive, il vous est arrivé une situation, c'est comme ce que le diable fait. La situation là vient d'adversité, d'adversité, et vous lisez cette promesse que ta semence possédera la porte de l'ennemi. Je méditais aujourd'hui dans ces mots là, dans le texte grec là, voyez, prendre possession, c'est que tu prendras possession de l'ennemi. Mais remarquez, devant une situation comme ça, il va parler à Dieu. Seigneur, intervient dans cette situation. Seigneur, intervient dans cette situation. Le lendemain, c'est comme ça s'empire. Le lendemain, ça s'empire. Mais sachez que, comme tu lui as parlé, tu verras toi-même, à la fin, sa main va se manifester. Sa main va se manifester. Tu verras peut-être ce jour-là, tu te décourages même. La façon dont l'adversaire prend le dessus, la façon dont la chose change, tu commences à avoir peur. On commence, les idées commencent à venir. Il faut voir telle personne. Tu as oublié que tu devais t'attendre à Dieu. Avec ça, il faut que je voie quelqu'un. J'avais prié Dieu, mais je vois que dans cette affaire, si je croise les bras comme ça, je risquerais de connaître tel fiasco. Vous voyez Dieu ferme encore ces portes-là. Vous partez, ça ne tient pas. Vous voyez, la journée est passée. Ce que tu craignais là n'est pas arrivé. Ce que tu craignais, et finalement, tu vois la victoire apparaître. Tu vois la victoire apparaître. C'est nous qui sommes impatients. C'est nous qui sommes impatients. Jésus l'a dit.
Yes, demandez et vous recevrez. Ne voyez pas la longueur du temps. Ne voyez pas la longueur du temps. Quand vous commencez à vous décourager, invoquez-le. Musoka. Pas comme Jehovah juré. El Shaddai. Je serai El Shaddai. Je commence à m'épuiser dans l'espérance. Donne-moi ton sein. Je viens sucer. Donne-moi que je suce. Pour que la force se renouvelle. Car la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce soir, tu vas renouveler ta foi. Tu vas renouveler ta confiance. Il est là avec les saints. Prenez ma fille. Prenez mon fils. Sucez ce soir. Tu es à quelques jours. Voyez dans Genèse 17. Depuis 15. Il a fait la promesse à Abraham. Dans Genèse 17, il vient se révéler à lui comme El Shaddai. Pour le fortifier encore. Et 18, il vient encore reconfirmer. Et Sarah a fini par avoir le bébé en question. Comprenez que si Dieu aujourd'hui a voulu mettre dans votre pasteur l'exhortation de El Shaddai, c'est lui-même qui t'a vu. Comment tu commences à t'affaiblir? Il voit ce que tu lui avais demandé, qui a tellement attendu. Maintenant, il veut se révéler à toi comme El Shaddai. Ma fille, mon fils, viens t'aider. Viens encore prendre la force. Viens encore pour avoir la force. Continue encore. Alors Seigneur, je reviens encore auprès de toi. Je reviens encore pour la même requête. J'ai commencé à perdre. J'ai commencé à m'affaiblir. Tu sais que j'avais parlé de quelque chose. Je t'avais présenté telle chose. Maintenant, à ceux qui avaient ces problèmes, comme j'ai montré ici, sachez que Dieu a promis. Jésus a fait avec, Dieu a fait avec serment. Que Abraham, ta semence, possédera la porte de son ennemi. Possédera la porte de son ennemi. Peu importe la gravité de ce cas-là pendant ce jour ici, qui témoignera, qui va témoigner, El Shaddai a vaincu cette parcelle-là. Qui est en conflit, qui doit t'appartenir. El Shaddai te dit aujourd'hui, mon fils, ne perdez pas espoir. J'ai entendu ta requête. Sucez d'abord ça. Tête pour avoir la force. Dans quelques jours, tu verras ce que je vais faire. Dans quelques jours, tu verras ce que je vais faire. Mais restez dans la foi. Que ce soir, cette foi se renouvelle. Que cette foi se renouvelle. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un dessin. Un dessin. Maintenant, l'autre dessin, c'est le Nouveau Testament. Dans Marc 11, 24. Quand Jésus a maudit le figuier, il avait fini par dire, quand les disciples s'étonnaient, il a dit, ayez foi en Dieu. Car je vous l'ai dit. Écoutez ça. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Je voulais seulement rappeler. Parce que si tu n'es pas concerné, tu n'as pas de problème d'adversité, que tu es la semence qui doit posséder, il dit que moi, ma requête, c'est autre chose. Maintenant, dans Marc 11, 24, parce que dans Genèse, c'était l'ange du Seigneur, donc c'est Dieu qui avait parlé. Ici, dans 24, c'est Jésus lui-même qui a parlé. C'est pourquoi je vous dis, tout
tout ce que vous demanderez en priant, répétez, croyez la parole de Dieu comme cela est écrit. Quand Jésus a dit tout, c'est tout. Pas moitié, mais tout. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Un enfant malade, un cas difficile, ce soir ici, quand tu demandes ça, croyez que tu l'as reçu, tu verras cela s'accomplir. L'impossibilité de paiement de loyer, une difficulté de résoudre de tels problèmes, ça ce n'est pas Pierre, Paul. Paul, ce n'est pas Pierre. Qui peut-il? Marc a rapporté les paroles de Jésus. Jésus est El Shaddai. Tout ce que vous demanderez en priant, donc ce soir c'est tout. Il n'a pas spécifié tout. Croyez que tu l'as reçu. Si tu manques la foi, demande que El Shaddai donne-moi les seins pour que je puisse succès, afin que j'ai la force de foi de croire. Alors, ce soir, ce que tu as, je t'ai montré, je vous ai montré d'abord, parce que la foi doit trouver une base. Si vous êtes devant une adversité, on veut te déloger, on veut te créer un problème, il y a un adversaire, sache que si tu es la semence d'Abraham, Dieu a dit, tu posséderas, tu vas triompher. Même si ça prend beaucoup de temps, Abraham a attendu 24 ans. Dieu est venu le fortifier. Finalement, l'enfant est venu. Finalement, tu auras la victoire dans la chose. À part ça, il y a une requête, un point que tu lui présentais. Tout dépend de la manière que tu lui as parlé. Si tu l'as parlé comme récitation, mais si ce soir tu veux prendre tes dispositions pour ce point-là qui est une préoccupation pour toi, pour lui parler, tu lui parles de tout ton cœur, sache aussi qu'il est El Shaddai. J'évite de lire un peu beaucoup de déclarations ici qui pouvaient encore vous fortifier. Pourquoi j'insiste là-dessus, même si ça prend du temps? Parce qu'on dit même que ce n'est pas question de beaucoup de paroles. Mais ce soir, vous avez vu l'animal, vous réglez bien votre physique, vous l'ajustez très bien. Quand c'est parti, quand certains animaux c'est fini, ce n'est pas pom 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 pom, l'animal va fuir. Mais venez doucement, doucement. Regardez très bien. La promesse est comme ceci. Je base maintenant sur la promesse. Allez, c'est parti. Et vous sentez votre cœur se dégager. C'est pourquoi prends une disposition nécessaire. Si c'est à genoux, si c'est venir à l'autel, si c'est vous incliner, dégagez-vous d'abord de cette requête-là. Que le diable ne te montre pas les échecs. Mais toi, pense toujours que Abraham, Dieu a vu qu'Abraham s'épuisait, mais il est venu à lui comme El Shaddai. Frère, Jésus ne ment pas.
Dieu ne ment pas. Même si une année après, il verra la chose arriver. Tu as besoin seulement de El Shaddai pour te fortifier. Pour te fortifier. Le problème de cet enfant-là, le problème de ta fille-là, continue encore ce soir. El Shaddai, fortifie-moi. Je t'avais parlé, je reviens encore. Et tu verras que finalement, Abraham, Dieu n'avait pas réparti le temps. Et Abraham, il a dit que Abraham, c'est Dieu lui-même qui est venu promettre Abraham. C'est Dieu lui-même qui est venu promettre Abraham. C'est pourquoi ce soir, il est devant toi comme El Shaddai. Jésus est devant toi comme El Shaddai. Pour les problèmes que tu as, il vient devant toi comme El Shaddai. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Frère Bamberson, mais il dit toujours que croyez Dieu comme il a dit dans sa parole. Prenez-les au mot. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Si vous vous faiblissiez, il est El Shaddai. El Shaddai. Il va te donner le sang. Si c'est à ce sang. Chaque fois quand tu es dans la tente, de la requête que tu fais ce soir, s'il arrive que ça traîne et que tu commences à te décourager, invoquez-le comme El Shaddai. El Shaddai au secours. El Shaddai au secours. J'ai besoin de t'aider. J'ai besoin de t'aider. Parce que tu m'as dit dans ta parole, quand vous demandez quelque chose à priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Mais frère, ce n'était pas les paroles de Marc. Ce n'était pas les paroles de Marc. Ce n'était pas les paroles de Luc. C'était les paroles de Jésus-Christ lui-même. Il est El Shaddai. El Shaddai. Il est El Shaddai. El Shaddai. Il est venu ce soir pour te donner le lait. Pour te donner son sein. Si c'est maintenant, si c'est maintenant, renouvelez la foi. Si c'est maintenant pour que la foi soit renouvelée. Si c'est maintenant pour que l'espérance soit renouvelée. Dieu tient toujours sa parole. Dieu tient toujours sa parole. Jésus ne ment pas. C'est nous qui sommes pressés. C'est nous qui sommes pressés. C'est nous qui sommes pressés. Mais lui, il a son temps. Jésus n'a pas menti. Jésus ne ment pas. Il tient toujours sa parole. C'est toi qui faiblissais déjà. Et maintenant, tu sais devant El Shaddai. Tu sais devant El Shaddai. Tu sais devant El Shaddai.